Salut Damien, donc je viens de voir parce que tu vas prendre le départ demain pour les Sables et Açores édition 2012. Donc j'aurais aimé que tu te présentes. Donc salut Maxime, merci de m'interviewer. Je m'appelle Damien Audrin. J'ai acheté il y a à peu près 6 mois le bateau, le mini là, qui est un Pogo 2. Avant j'avais fait pas mal de courses avec mon école quand je faisais mes études sur Paris, et puis après j'ai couru en IRC sur A40, et puis après comme on avait fait quelques courses au large, j'ai décidé moi de me lancer en solo parce que ça me tentait bien, et pour des raisons de budget je me suis directement lancé sur le mini. Et puis en plus je connaissais un gars qui en faisait déjà et qui m'avait dit que l'état d'esprit était super, qu'on s'entendait, qu'on se marrait bien. Donc voilà, je me suis lancé là-dessus, j'ai acheté le bateau, j'avais encore jamais mis les pieds sur un mini 650. J'étais assez confiant, et puis finalement j'ai rapidement compris que j'avais fait le bon choix. Et du coup me voilà, c'était un peu raide cette année là parce qu'il a fallu tout faire pour mettre en état, changer, modifier des choses, et puis faire les courses et la qualification hors course, et pour être présent ici au Sable d'Olonne. Ok, donc du coup tu peux nous présenter un peu ton bateau sur lequel tu vas prendre le départ. Alors le bateau c'est le numéro 745, c'est un Pogo 2 qui s'appelle Stered Lostek, ça veut dire comète en breton. C'est pareil, on m'avait conseillé quand je voulais partir en série, on m'avait conseillé le Pogo 2, donc j'ai rapidement acheté le bateau quand même en janvier-février. Et puis donc c'est un bateau, déjà c'est un bateau de série, donc des coûts moindres qu'en proto. Et puis le Pogo 2 c'est un bateau qui marche bien, qui a gagné plein de courses, et c'est celui qui a le plus beau palmarès de tous les bateaux de série. Et donc ça a été rapide, le choix a été vite fait. En plus c'est le bateau qui est le plus représenté, donc c'est le bateau qui était le plus présent aussi sur le marché de l'occasion. Donc c'est ce bateau-là que j'ai acheté. Ok. Un bateau récent, en plus ouais. Il est de 2009, c'est le numéro 745, donc bon c'est... Ouais, pas trop de problème avec quoi. Normalement non, pour l'instant en tout cas il n'y a pas eu trop de soucis. Là. Ok, ça marche. Et donc ton projet en mini, tu vas vers où? Le projet, clairement, c'est la mini Transat l'année prochaine. Et c'est pour ça que j'ai essayé, dès que je me suis lancé, dès que le bateau était mis à l'eau, j'ai essayé d'en faire le maximum pour pouvoir me préparer à cette course-là. Et puis, de toute manière... Les Sables, les Açores, les Sables, c'est déjà une course super intéressante aussi. Donc de toute manière, je suis content d'avoir boosté cette année pour en faire un maximum. Ouais, voilà. Mais de toute manière, l'objectif, l'année prochaine, c'est la Transat. Ouais. D'accord, ok. Et donc là, on est à la veille du départ. L'homme, le bateau, ils sont prêts, ils se sentent comment? Le bateau, ça y est, il commence à être bien prêt. Là, je commence à tout ranger à l'intérieur. Bon, il me reste quelques bricoles, quoi. Il faut que je passe sous la coque. Caréné, il faut que j'aille faire des courses aussi au supermarché, prendre un peu de frais pour le début de la course. Et puis sinon, on aura 2-3 bricoles par-ci par-là, les routages, rentrer quelques 2-3 points dans le GPS quand même, ça pourrait être pratique. Et puis voilà, non, sinon après, le bonhomme, il est un peu moins prêt. Enfin, je me suis quand même un peu reposé, j'ai quand même réussi à me reposer cette semaine là. Il va falloir à mon avis que je fasse une bonne nuit. Pas trop de stress. Pour l'instant ça va, en fait à chaque fois que j'ai toujours quelque chose à faire, ça va, j'ai pas le temps d'y penser, mais c'est vrai que dès que j'entends les autres, les copains parler du routage, dire que qu'il y a des fronts qui arrivent, je commence à avoir la chair de... à sentir un peu l'adrénaline et avoir une petite chair de poule voilà. Qui arrive, mais... T'as d'y être quand même. Ah ouais, j'ai hâte qu'on parte. J'ai hâte qu'on se soit un peu tous aussi éloignés les uns des autres, là, qu'il n'y ait plus trop de danger de collision. Puis j'ai hâte qu'on y soit. Ouais.
Ok, donc t'attends quoi de la course? Ouais, je sais pas, je pense que bien arrivé. Ouais, déjà naviguant proprement. Déjà ouais, naviguer proprement, se faire plaisir surtout. Rien casser, enfin bon, tout le monde te dira la même chose hein, mais faire une belle arrivée à Horta, puis bon bah si possible faire un classement pas trop dégueulasse quoi. Enfin ouais. Bon, c'est sûr que je peux pas prétendre à des places extraordinaires, mais bon, je vais déjà me faire plaisir. Si en plus de ça il y a une place qui est correcte, ça sera la cerise sur le gâteau. Ouais. Ok, bon, un dernier mot. Ben écoute, là il fait super beau, contrairement à hier là, donc on prend un peu de. Je commence à voir le jour un peu là dans mes préparatifs et donc je suis bien content là. J'ai du monde qui va arriver, qui devrait arriver tout à l'heure normalement et qui assistera au départ sur la vedette là. Donc bah, je suis bien content là, ça m'a remis un peu de boost là, parce qu'en milieu de semaine, quand je voyais la masse de boulot qu'il y avait à faire encore pour être prêt, ça me décourageait un peu, mais bon là c'est bon ça. Bon, bah, super, j'ai commencé à freiner un peu, à me reposer, prendre ça cool, et puis on verra après si je stresse ou pas quoi. Ok, bah rendez-vous à Horta alors. Ouais bah ça marche carrément, merci. Merci à toi. Salut.